Shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis encore dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours dans la joie de nous retrouver en ce troisième dimanche de Pâques. Nous sommes toujours dans l'octave pascale. Une joie de pouvoir encore nous tenir debout en ce matin pour pouvoir encore aller manger au corps et boire au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui s'est donné pour toi et pour moi. Lui qui n'a pas hésité à aller se donner en sacrifice vivant pour te racheter et me racheter. Il n'a pas hésité à verser son sang pour nous sauver, pour nous purifier. Et en ce matin, l'Éternel Dieu des armées s'adresse à toi en te disant ceci. Quelle est cette peur encore qui résiste dans ta vie? Quelle est cette crainte-là qui résiste encore dans ta vie? Est-ce que la relation que nous devons avoir avec Dieu est une relation de crainte, de peur, de doute? Nous avons un Dieu compatissant, un Dieu rempli d'amour. Et il nous veut dans cette intimité profonde avec lui, cette intimité d'amour, cette intimité d'espérance, cette intimité de compassion, de miséricorde avec lui. Voilà pourquoi en ce matin, nous voulons tout simplement dire à Dieu, nous voulons tout simplement que tu accueilles nos soupirs, que tu accueilles nos vies comme une offrande qui t'est agréable. Parce que nous voulons tout simplement laisser ce qui est peur, laisser ce qui est crainte, laisser ce qui est doute pour tout simplement nous donner à toi tel que nous sommes. Nous donner à toi malgré les difficultés de nos vies. Nous donner à toi en ce matin dimanche pour que tu puisses encore venir nous fortifier, que tu puisses encore venir raviver, que tu puisses encore venir redonner vie à tout ce qui était mort en nous et dont tu as besoin, Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi nous voulons l'acclamer en ce matin. Nous voulons tout simplement dire qu'en ce nom, peu importe la maladie que j'ai, il me suffit tout simplement de prononcer ce nom avec foi et cette maladie disparaît de ma vie. Ce n'est pas n'importe quel nom, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ton nom, mais le nom de l'Éternel Dieu des armées. Et c'est dans cette marche de foi qu'il nous appelle en ce matin dimanche. C'est dans cette marche d'espérance, dans cette marche de conquérant, de victorieux, de vainqueur qui nous appelle en ce matin. Alors toi qui m'écoutes, peu importe ce dans quoi tu es, si c'est un mal-être en toi, déclare avec moi que cela est mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je reprends vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors proclame-le et crois avec foi que cela s'accomplit dans ta vie. Amen. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus.
tous les noms. Je le confesse en ce matin qu'il y a un nom au-dessus de toute chose, au-dessus de toutes les complications de ma vie. Je confesse qu'il y a un nom au-dessus de la maladie que je peux avoir, au-dessus de tous les mots qui parlent dans ma vie. Je confesse qu'il y a le nom de Jésus en moi, qu'il y a le nom de Jésus dans tous les domaines et compartiments de ma vie. Je proclame et je confesse qu'il y a le nom de Jésus dans mon foyer, dans ma maison, au sein de ma nation. Je le confesse et je crois que ce nom peut accomplir des merveilles dans ma vie, peut accomplir au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Je confesse et je crois que le nom de Jésus fait des merveilles. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, sois dans ce concret et dans ce réel avec Dieu. Parce que je sais que Dieu veut tout simplement ouvrir son ciel sur ta tête, de telle sorte que les anges puissent monter avec tes requêtes, monter avec tout ce qui est mot et redescendre avec toutes les solutions à tes pieds pour te les donner. Parce que le nom de Jésus dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Acclame Dieu, toi ma nation. Acclame Dieu, toi qui m'écoutes. Acclame Dieu, toi mon frère. Acclame Dieu, toi ma soeur. Peu importe de là où tu te trouves, acclame Dieu de toutes tes forces. Puis cela au plus profond de toi et acclame-le. Ne regarde ni à tes situations, ne regarde même pas à ces différentes autres troupes, mais acclame-le de toutes tes forces. Que ce soit un acte concret, un acte prophétique. Et en acclamant en ce dimanche, toujours dans l'octave pascale, que tu dis: Seigneur, j'acclame ma victoire dans ma vie. Par la puissance de ton nom, j'acclame maintenant la guérison dans ma vie. J'acclame maintenant tout ce qui est réussite dans ma vie tout au long de cette semaine qui se donne à moi. J'acclame maintenant ta résurrection dans tous les domaines et aspects de ma vie. J'acclame et je reçois la vie qui vient de toi dans mes activités, dans mes affaires. J'acclame et je reçois pleinement ce que tu me donneras de toucher et de voir tout au long de cette semaine. Alors acclame-le, que ce soit un acte concret, un acte prophétique en ce matin. Si tu es à la messe, ne te soucie pas de celui qui est à gauche ou à droite, mais acclame ton Dieu dans la vérité de ce qu'il est. Acclame-le, laisse la peur, laisse le doute, laisse tout ce qui est crainte de côté et acclame-le de toutes tes forces. Amen. Bien-aimé, c'est dans cet élan d'allégresse, de joie, d'amour que
je te souhaite de passer une très bonne journée dominicale, toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, et te souhaite également un excellent début de semaine, toujours accompagné de tes anges et de tous les saints. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.